Phase de 3. Non. Alors, donc, c'est dans un monde complètement imaginé avec des trolls, des... Ils ont en fait chaque... Il y a des gens qui ont des pouvoirs et donc voilà, il y a un peu des combats et tout avec des méchants. Enfin, c'est... Je les ai relus plein de fois. Enfin, je sais pas pourquoi, j'ai adoré tout. Voilà, tout. Genre un univers complètement créé, tout. Je trouve ça incroyable. Genre l'imagination des auteurs, je trouve ça trop bien. Ça sera plus comics. En ce moment, je lis Venom, la dernière qu'ils ont sortie. Un anti-héros, il est au début connu comme le méchant dans Spider-Man. C'est un symbiote qui... parasite un humain et qui a à peu près les mêmes pouvoirs que Spider-Man. J'aime beaucoup les livres de je crois son nom, c'est Bourgeon, Les Passagers du Vent. Voilà, je trouve que c'est vraiment une bande dessinée supérieure, tant dans la, justement moi qui aime l'histoire, dans la documentation historique, c'est très très précis, c'est d'une justesse formidable, c'est le 18e qui est passionnant. C'est la mer, les bateaux, les colonies, l'aventure, et tout ça vraiment avec des personnages attachants, passionnants, c'est violent, c'est dur, c'est sanglant, mais c'était l'histoire et la vie au 18e. Donc c'est vraiment l'une de mes bandes dessinées préférées. Alors moi j'aime beaucoup les Tintins, en fait, c'est assez classique, mais voilà, et parmi les Tintins, j'aime bien L'île noire, voilà. Voilà, c'est le côté un peu exotique. Un peu. Steph, parce que c'est rigolo, c'est drôle, c'est joyeux. Alors, a posteriori, du coup, après plein d'années de lecture, c'est les Astérix. Clairement, je trouve que ça reste au-dessus. Et enfin, l'écriture est super fine et c'est super agréable à relire. À chaque fois qu'on les lit, on découvre des nouveaux traits, etc. de la BD.